Salut tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 3 août, ouais, exactement. Je pars de chez moi, je m'en vais à Verdun. J'ai mon amie Mélanie, vous l'aviez déjà vue une fois, elle s'en vient chez moi se faire faire un pédicure, un façade, l'épilation. Puis j'ai une cousine aussi qui veut un facial, fait qu'elle va venir me rejoindre plus tard, ma cousine. Puis, ça ressemble à ça. Il est 11h14. Je pars de chez moi. Puis, ça ressemble à ça. Fait que je vais filmer ma journée, essayer un peu de filmer, que ce soit avec ma cousine, non, mais avec Mélanie peut-être un peu. Puis, c'est ça. Fait que je vous amène dans ma journée. Puis, c'est ça. J'ai pas grand-chose à vous dire. Là, en fin de semaine, ça a été relax quand même. Samedi, j'avais la fête de la petite... La petite à une de mes bonnes amies que j'ai été garder là, lundi passé. Puis, c'est juste sa fête. Puis, j'ai acheté un petit kit. Là, c'était bien cute. C'était des pantalons en legging vert kaki avec des petites boucles dans le bas. Avec une belle petite chemise manche longue avec des lignes. C'était comme rose pâle et blanche, là, et blanche crème. Avec des lignes rose pâle et vert kaki. Fait que ça va être vraiment cute là, quand elle va porter ça. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben c'est ça. On a passé la soirée là-bas chez ma chum. Puis hier, ben, on a fait des commissions. Non, hier, ouais, c'est ça. Hier, ouais, c'est ça. On est allé faire des commissions hier. Fait que voilà. Là, ça bouge vraiment beaucoup. Je suis désolée. Vous savez, quand je suis en auto, ça bouge tout le temps. Fait que c'est ça. Puis, hier, ça a bien été. Là, ça, c'était pas trop intense. Puis c'est ça, je parlais à... On se fait encore un genre de petit FaceTime le dimanche. Là, puis des fois, c'est juste moi et ma mère. Des fois, il y a du monde qui embarque. Ça dépend. Puis c'est ça. Puis là, ben, il y a ma cousine, une de mes cousines... qui est embarquée un peu, pas longtemps, parce qu'elle est ambulancière, puis était comme entre deux appels, là. Fait que c'est ça. Puis là, ben, elle m'a dit, ah, ben, je serais peut-être intéressée à venir me faire faire un soin. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, c'est ça. Donc là, elle m'a demandé tantôt c'était combien je chargeais, puis combien de temps ça durait. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça. Grosse journée. Mais, tu sais, au moins, je me fais des sous. Puis, c'est comme parfait. Là. Fait que, voilà. Fait qu'on va se revoir tantôt. J'ai terminé ma cousine et mon ami. Ça se fait bien été. Là, ma cousine avec son chum sont partis chercher du haut coq. Fait qu'on va manger ça. Ça y arrive. Salut. On est rendu mardi le 4 août. Aujourd'hui, je file vraiment, mais vraiment pas bien. J'ai une migraine. Puis l'endroit est en train de se transférer de ce bord-là. Avec le mal de cœur qui va avec. Puis, moi, je fais comme 11,5 à 8,5, là, quelque chose comme ça aujourd'hui. Là. Je vais essayer de me donner de l'énergie parce que, my God, que je n'en ai pas aujourd'hui. Là, c'est genre 0,0, là, vous voyez mes yeux. En plus, le voisin a commencé à bûcher genre à 6h30 le matin. Fait qu'il nous a réveillés. Moi pis mon chum,
Puis là, j'avais de la misère à me rendormir, puis tout. Fait que, ouais, je suis pas loin d'être à mon meilleur. Aujourd'hui, là, on le voit dans ma face que ça file pas trop, trop. Puis, c'est ça. Puis là, hier, ben, c'est ça, j'ai pas refilmé parce que, dans le fond, c'est ça, j'ai fait mon amie Mélanie que je vous avais déjà montré dans un vlog. Je sais pas si vous en souvenez. Puis, ma cousine aussi qui est venue se faire faire un soin visage. Fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé fort hier, mais tu sais, je me suis fait des sous. Fait que je suis bien contente. Puis, c'est ça, là. C'est ma dernière semaine. Après ça, je tombe en vacances une semaine. Fait que je suis vraiment contente de ça aussi. Mais c'est peut-être ça aussi, là. C'est peut-être mon corps qui dit qu'il commence à lâcher un peu, là, justement, pour les vacances. Fait que je sais pas si c'est ça, si c'est les hormones, si c'est quoi, là, si c'est la fatigue. J'avoue que j'ai pas tant dormi non plus, tu sais. À partir de 6h30, je me suis couchée à minuit et demi. Fait que ça fait genre. Pas 6h30, 5, pas tout à fait 6h. Fait que j'ai dormi comme. Comme 5h30, une affaire dans le même, là. 5h, 5h et quelques, là, en tout cas, j'ai dormi. Fait que, mettons que c'est ça que j'ai la face de quelqu'un qui a pas beaucoup dormi, puis que. Qui est fatigué, puis qui file pas, qui a mal à la tête. Je me sens comme si quelqu'un me pesait sa tête fort fort, là. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Bon, là, j'ai un peu moins mal au cœur que tantôt, là. Tantôt, j'étais comme, j'ai le cœur, là, ici, là, dans la gorge. Fait que, c'est ça. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que j'ai besoin d'énergie, je sais pas où c'est que je vais aller la prendre, là, cette énergie-là. Pis c'est ça, pis hier c'était vraiment le fun. Le chum de ma cousine est venu nous rejoindre aussi parce qu'il travaille à l'aéroport. Fait que c'est ça, pis là, ben, il voulait voir un peu qu'est-ce que ça avait l'air parce que ça se pourrait qu'il achète le bloc où est-ce que j'habitais avant avec mes tantes. Pis mes tantes éventuellement, ils vont déménager sûrement dans un centre pour personnes âgées, mais tout ensemble. Fait que ça ressemble à ça. Il y a comme quelqu'un qui avait les, genre, les shirts à terre, je sais pas trop, là. Puis il y avait les mains pleines, je sais pas trop, en tout cas. Fait que c'est ça, puis... Ouais, fait que hier, c'était vraiment cool. J'ai fait des soins, puis après ça, il est venu nous rejoindre, son copain. Puis on a jasé beaucoup de l'appart, puis on a jasé aussi... C'était bien des affaires. Là, on s'est raconté nos affaires. Fait que c'était le fun. On s'est fait. On est allé chercher du haut coq aussi. Puis c'est ça, ça ressemble à ça. Fait que. Je suis bien contente de ma soirée puis de ma journée hier. Là, aujourd'hui, je suis comme. Bof. Mais comme vous le savez, là, je suis un peu moins motivée maintenant avec. Avec ma job ces temps-ci. Mais tu sais. Comme je disais à ma cousine, c'est pas vraiment le temps de changer de job avec le coronavirus. Il y en a plein qui ont même pas leur job, là. Fait que. Fait qu'il faut que j'endure. Mais pas, c'est pas endurer parce que, tu sais, j'aime ma job, mais c'est plus l'ambiance, là. Tu sais, genre ma boss qui se plaint beaucoup, puis. Tu sais, je suis comme tannée, là, tu sais, je veux dire, c'est beau que tu files pas bien, là, mais à force d'entendre juste du négatif, à un moment donné, genre, on dirait que ça me rend down aussi, puis ça me rend négative aussi, là, fait que je trouve que c'est comme, surtout que moi, je suis une éponge, là, fait que à un moment donné, tu me garoches du mauvais, ben à un moment donné, c'est comme pas le fun, là, tu sais, c'est... T'enquêtes toujours du négatif, là. Fait que, tu sais, je suis comme un peu tannée de ça. Fait que, voilà. Fait que, souhaitez-moi bonne chance pour ma journée. Puis, si j'y pense, on se revoit ce soir. Sinon, ben, ça va être demain. Demain, j'ai peut-être l'intention de revenir à Montréal pour aller faire... comment on dit ça? Je vais aller au Chicago Coco, oui, c'est ça. C'est une de mes clientes qui en a passé. Fait que c'est ça. Fait que je veux aller chez Kiwapko.
coop coco de même. Parce que moi, j'ai une liste à acheter. Ma mère en a une. Puis la soeur de ma mère aussi en a une. Fait que c'est ça. On veut. On veut toutes des affaires. Fait que vu que je vais aller les voir au chalet après, ben. Ça va être le fun. Ils vont avoir leur commande bientôt. Fait que sur ce, je vous laisse. J'ai assez jasé. Puis on se revoit soit ce soir ou soit demain. Bye! Re-salut! On est encore mardi, le soir, 8h exactement. très grosse journée dans le sens que j'ai pas été occupée de 11h30 de mon entrée à aller jusqu'à 3h15. Mais de 3h15 à là, j'étais full. Fait que c'était un peu poche parce que j'ai pas pu finir plus tôt. Ma dernière cliente, j'ai essayé de la déplacer, ça fonctionnait pas non plus. Fait que ça fait en sorte que. Si je mets une petite lumière de même, attends. Ah oui. Ça fait en sorte que. Ben c'est ça, j'ai pas pu partir plus tôt. Puis, ben là, c'est poche parce que, tu sais, je filais tellement comme la merde. Puis, c'était comme vraiment genre de ce côté-là, une sale migraine, ça pesait. J'étais comme pas capable de genre m'en débarrasser, même avec des Advil, Tylenol ensemble. Parce qu'il y avait une infirmière qui m'avait dit prendre Tylenol et une Advil ensemble. Ça fait comme un mix d'être un anti-inflammatoire avec un antidouleur. Qui est la meilleure des choses dans le fond pour quand t'as une migraine parce que ça fait des bang bang puis ça donne des coups puis ça fait mal. Fait que pour la douleur et pour l'inflammation en même temps. Puis là, ben finalement, ma boss, elle en a souvent des migraines puis elle m'a donné une pilule migraine. Puis ça a tellement fait du bien là. Je pense que je vais en demander genre. À mon médecin ou je sais pas, mais my god, c'est comme fou là comment c'est. Mais tu sais, en même temps, en réglant mon problème d'hormones puis de saignement puis tout ça qui va pas super bien, ben tu sais, je me dis que c'est sûr que ça aide pas là, c'est beaucoup hormonal aussi là. Fait que c'est ça, fait que difficile journée, vraiment beaucoup. C'est très drôle parce que je commence un peu à mieux aller ce soir. Mais tu sais, c'est parce que j'ai eu la pilule migraine vers 1h cet après-midi. Puis j'ai comme tellement presque plus mal. C'est comme un petit léger mal de tête, là. Puis après ça, ben c'est ça, vers les 6h, vu que ça faisait comme 5h, je l'avais pris, je me suis dit, ah, je vais reprendre tout de suite 2 Advil. T'as-tu pris ça? Ouais, j'ai pris 2 Advil. Puis, on dirait qu'à partir d'une demi-heure après l'avoir pris, je commençais un peu mieux à aller. Puis, là, en ce moment, à 8h, on dirait que les pilules font effet, genre, au max. Puis je suis comme j'ai jamais bien filé de même de toute ma journée. Fait que je trouve ça très drôle, tu sais, que ben, c'est la pilule migraine, je crois, qui a vraiment fonctionné. Fait que j'ai réussi à faire ma journée. Je voulais comme canceller ma dernière cliente, puis finalement ça marchait pas. Mais tu vois, finalement, ça a bien été. Fait que je suis comme contente de l'avoir faite, mais my god, à un moment donné, j'étais comme ok, j'étais comme plus capable. Là. Je voulais vraiment m'en aller chez nous tellement que je filais pas, tu sais. Puis, ben, finalement, je l'ai fait. Fait que le monde me dit, oh my god, t'es tough de faire ça, mais en même temps, je travaille pas 5 jours semaine. Fait que, tu sais, je me dis, si je pars, ben, je m'enlève des heures. Puis, tu sais, c'est pas que j'étais pas occupée. Pour une fois, j'étais occupée. Fait que. Mais bon, ma journée est faite. C'est derrière moi. C'est fini. Fait que je m'en vais chez moi. Je m'en vais souper. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais manger parce que, comme je disais. C'est un peu bizarre, là, cette histoire-là. On dirait que c'est comme la fatigue, mon estomac en fin de semaine un peu qui a fait des siennes. Puis, pas beaucoup. J'ai pas eu mal beaucoup, mais tu sais, comme j'ai eu des petits problèmes gastriques, là, en fin de semaine. Puis,
là, ben, c'est comme la tête puis le mal de cœur. Là, à matin, fait que là, j'étais comme, OK, là, pouvez-vous me lâcher un peu, s'il vous plaît? Mais je crois que c'est parce que là, mes vacances s'en viennent. Fait que là, mon corps, il est comme à bout, puis il sait que ça s'en vient. Fait qu'il lâche, mais il lâche pas au bon moment. Fait que c'est ça qui est ça. Ça ressemble à ça, mais j'ai vraiment eu une grosse après-midi et soirée, là. C'était assez quelque chose. Ah, on n'est plus rien, là, c'est ça. Là, ben, il pleut à Montréal. Il pleut quand même pas mal. Je vais l'entendre anyway. Puis c'est ça, je suis en direction de vers chez moi. Ça fait pas longtemps que je suis partie de la job. Puis je suis bien contente que ma journée soit finie. Demain, j'avais l'intention d'aller au coup à propos, comme je vous ai dit ce matin, mais je sais pas, je vais vraiment voir parce que au pire, j'irai comme au coup à propos, genre juste avant de descendre au chalet, tu sais, en s'en allant, ou je sais pas trop, là, mais tu sais, je vais trouver une façon d'y aller. Si c'est pas demain, ça sera pas jeudi, sûrement pas vendredi non plus. À moins vendredi que je file bien puis d'y aller, mais il faudrait que je regarde s'il ferme tôt ou s'il ferme tard. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je fasse. Peut-être y aller vendredi avant de m'en aller chez nous. Comme ça serait déjà fait puis j'aurais pas besoin d'y aller. Je vais vraiment voir comment que je file demain, là. C'est comme... Je veux pas me mettre de pression de faire comme oui, je suis obligée d'y aller si je fais le plus ou moins. Parce que dans le fond, c'est ça, là, je veux pas. Je veux pas me forcer à sortir, puis je voudrais comme me reposer demain, tu sais. Anyway. Fait que je vais arrêter de chialer, c'était mon moment chiolage. Puis. C'est ça, fait qu'il se passera pas grand chose là, du reste de la soirée. Je vais arriver, je vais prendre ma douche, je vais souper, puis je vais relaxer, puis je vais sûrement aller me coucher tôt, vu que j'ai encore mal à la tête. Puis je suis quand même très épuisée parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit non plus. Donc voilà, ça ressemble à ça, fait qu'on va sûrement se revoir demain. On s'est parlé hier soir, puis c'est ça, j'ai pas refilmé parce que. Ça valait pas la peine. Là, je viens de terminer. Je vais vous montrer ça. J'ai fait des sacs individuels. Dans le fond, ça, c'est pour un enfant. C'est comme un genre de boulot, polo. Je sais pas trop comment on dit ça. Là. Avec des bonbons, des sucreries. Ça, c'est un collier. Tout ça. Plein de petites cochonneries. Là, je viens de terminer ces sacs-là. Fait que je vais donner ça. Au monde. Fait que, au lieu que le monde pige dans les affaires à cause de la COVID, on fait tout en sorte que ça fait pas de monde qui pige dans les affaires. Puis là, ben, c'est ça, là, je suis revenue, j'étais allée au Walmart parce que j'avais besoin de l'OS pour faire du désinfectant pour les mains. Je l'ai fait moi-même, j'ai fait comme un test. Puis ça marche vraiment bien. Fait que c'est ça, puis c'est ça, je me suis acheté une coupe d'affaires, comme c'était glacé, ça me tentait. Puis une coupe de petites affaires, là, de l'huile essentielle, de la sauce barbecue Diana. J'ai acheté des petits pots comme ça pour faire des cakes à récurer, des plus gros aussi. J'ai acheté des masques, parce qu'il faut des masques pour notre party. Fait qu'il y en avait au Dollarama, c'était 4$ pour 5 masques. Voilà, fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça va faire aux enfants, parce que c'est sûr qu'ils ont une plus petite bouche, mais bon, ils se feront comme un twist, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que dans le fond, je voulais juste comme terminer un peu mon vlog. Parce que c'est ça, dans le fond, c'était du... C'était pas mal de petites commissions puis des dernières choses à faire. Mon chum, il a tout installé les poteaux. Ça va être pour mettre ici, là, 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 puis là. Je sais pas s'il y en a mis un l'autre côté aussi, puis il y en a mis un là. Ça va être pour tenir la bâche
éventuellement, je sais pas où est-ce qu'il l'a mis là, mais une grosse bâche qui va faire comme un toit. Fait que s'il pleut finalement, ben ça sera pas grave. C'est ça, fait que nos préparatifs vont bien. C'est ça. Il ne reste pas grand chose à faire, ça va être de mettre la bâche, genre soit demain soir ou vendredi soir, pour que ça soit fait pour samedi. Puis après ça, ben de mettre les pancartes là. Qu'est-ce que sont les pancartes? Ces pancartes-là, barbecue et épluchette que j'avais faites là, 2 années, je crois, toilette, dans le fond, pour que les gens, quand ils sont dehors, qu'ils sachent un peu où est-ce qu'ils sont les choses. Puis comme je vous avais montré aussi, j'ai fait des règlements pour la COVID. Fait qu'il y a certains règlements, là, c'est désinfecter les mains au gel chaque fois que vous entrez dans la cour, de prendre un masque, de le porter, puis de ne pas l'enlever inutilement. À chaque fois que vous remettez votre masque, désinfectez-vous les mains avant de manger ou de toucher. On voit pas là, mais avant de manger ou de toucher la nourriture, désinfectez-vous les mains. N'oubliez pas de vous amuser. Puis ça, c'est un stop pour la toilette finalement. Fait qu'avant d'entrer, de se désinfecter les mains, dans la maison, se désinfecter les mains, quand ils ont fini la toilette, de se laver les mains avant de sortir, quand ils sortent de la maison, se redésinfecter les mains aussi. Fait que c'est ça, c'est plein des petits règlements que j'ai fait là, justement pour essayer de pas avoir de chialage puis que personne nous stoule, que le monde soit en maudit parce qu'on fait un party, on va être en règle. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, il me restera à faire mon gel désinfectant, à en faire plus. Fait que je vais en mettre à plusieurs stations. Puis, ça ressemble à ça. Fait que je suis bien contente. Je suis quand même stressée, là, parce que j'ai hâte de savoir comment ça va aller, si ça va bien aller, tout ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, je crois que les gens qui vont venir sont quand même assez intelligents pour comprendre qu'on est dans une situation de pandémie puis qu'il faut quand même faire attention. Fait que je crois que les gens vont être gentils et compréhensibles. Fait que voilà, c'est tout. Fait que je vais fermer mon vlog ici. Je vais vous dire merci de m'avoir écouté. Mettez un pouce si vous avez aimé. Puis mettez-moi un commentaire si vous en avez un en dessous de la vidéo. Puis partagez. Et voilà. Fait que on se revoit très bientôt. Ciao!